Mesdames et amis fanatiques, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est vendredi et nous vivons vendredi 19 juillet 2024. Et m'a souhaité bon vendredi, bon week-end à toutes les amis fanatiques. Nous. Et Nami Koa, c'est toujours serviteur aux amis au merci Dieu. Moi, content ensemble avec nous. Et mais quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Nous pouvons faire un coup de pied et dans le département nord et pays d'Haïti. Et nous avons demandé à l'autorité et la police. Eh bien, vigilant parce que gagné en pile dans bandi yo, eh bien qui commençait à tabli basio dans le département Noa et gagné bandi avec zam cap opéré dans Magot qui c'est 8e section communale et Pilate qui trouvait dans le département Nord pays d'Haïti. Eh bien hier jeudi dans après-midi pour pipiti, eh bien nèg yo kidnappé 6 moun. N'a vini et pour nous capable ba ou plus de détails. Eh bien 40 moun disparaît et plusieurs autres blessés graves. Au moins 107 moun yo jwenn et vivant et c'est yon difè et qui pété dans yon bateau et yon groupe moun qui t'a pas essayé quitter pays d'Haïti pour t'y aller et la providence yo t'a chercher la vie meilleur et mais difè prendre un bateau ça n'a vinn ba ou plus détail comment difè ça fait prendre un bateau à qui ça passé même et bien rete branché et mais on pral connait tout détail n'a toujours été dans département nord pays d'Haïti nous pral Saint-Raphaël pour pipiti. Et yon l'oreille est boulé ou bien touillé 8 moun et puis gagné 6 l'autre moun qui blessé 8 moun et bien mouri avec 6 l'autre et blessé dans Saint-Raphaël ça passé mercredi 17 juillet 2024 là après yon gros la pluie qui t'a tombé et te gagné un match football qui t'a joué et bien moun yo te débarqué et bien pour y aller regarder match football là et mais la pluie a pété et bien moun sa yo t'a refugié en bas yon pied bois yo tal refugié yo et bien c'est là ça gros coup d'éclair commencé fait dans ciel là et puis yon l'oreille tombé sous pied bois et puis gagné 8 moun qui mouri immédiatement sous place et bien et 8 moun mouri mais victime yo j'aime dire yo t'ai rassemblé et puis yo tal regarder yon match football là la pluie t'ai commencé tomber yo tal refugié en bas yon pied bois et bien côté yo mouri avec yon violence coûte et l'oreille qui tombe sous pied bois moun sa yo et blessé moun ki blessé yo yo te transporté dans l'hôpital d'après ça juge de paix dans commune nan fait konnen Ernst Renel Elan et bien li fait konnen moun sa yo te mené à l'hôpital nota doit et songer que service météorologique là lui-même il était déjà annoncé gain gros la pluie mais qui t'a pas tombé sur département nord l'important songer que li dangereux mais pour la pluie a tombé pour nal pour mon à l'abriter en bas pied bois ça il dit son bail qui dangereux pour l'abriter en bas pied bois pendant et gros tempête l'oreille et bien moun sa yo et bien et malheureusement et gagné 8 et qui fait vrai et pour pays sans chapeau et pendant que n'a pas n'a toujours été dans la ville et au cap haïtien et j'aime te dire non et gagné 40 monde qui disparaissent et plusieurs blessés graves et puis pour petit gagné 7 monde qui rejoignent vivant c'est un difé qui pété dans un bateau et bien tragédie ça arrivé dans soirée mardi 16 juillet pour ouvrir mercredi 17 juillet 2024 là après un petit bateau qui était ville au cap tout près Fort Saint-Michel. En pile monde qui connaît Fort Saint-Michel, il trouvé dans barrière et l'est et ville au cap dans direction providentielle. C'est l'est à mon yota pralé providentielle. Et ben environ 24 temps et après tragédie, mais la police n'en a confirmé et mais il y a plusieurs douzaines haïtiens qui perdu la vie et puis il y a un pilote qui blessé dans petit bateau ça. Et gagné porte-parole la police dans le département Nord qui me permettre nous tendre dans vidéo ça inspecteur et Anol Jean et li fait qu'on est garde côte dans ville au cap haïtien t'est sauvé et 37 moun et bien qui t'est sous bateau mais parmi 37 moun garde côte t'est sauvé yo gagné et femme c'est femme ensemble avec garçon gagné et 7 qui blessé grave et 5 garçons et 2 femmes qui c'est grave et puis yo t'al recevoir traitement dans l'hôpital. M'a invité nous mesdames et messieurs pour nous capable étendre porte-parole la police dans ville au cap haïtien et lui même cap banou plus détails de tragédie ça. Direction départementale Nord police nationale d'Haïti a confirmé pour la presse que dans matin mercredi 17 juillet 2024 là avec 4 heures unité garde côte PNH qui basée dans ville cap haïtien est intervenue sous la mer dans zone Cormier. Côté que vous êtes arrivé sauver la vie, 37 monde, parmi plusieurs dizaines d'autres qui t'a tenté illégalement
pour quitter la zone Cap-Haïtien pour aller dans la zone providentielle à bord d'un petit bateau qui n'a pas de nom. Et selon la déclaration survivant, il y a plus de 40 autres compatriotes qui ont porté disparu et que la police a continué à chercher jusqu'au nier. Et drame ça, l'irrivé, j'aime te dire non, sous la mer, dans la zone Cormier, Cap-Haïtien, après que yon nan passager ou te lume en bougie et puis a fait cérémonie sous la mer, alors que te gen gazoline nan bateau. Donc ça qui était la cause d'une grosse explosion et qui résultait de pile moun sa yo qui blessé. Donc parmi 7 individus qui blessé, moi dis yo blessé grave. Et la police était courue mener à l'hôpital pour recevoir soins que Kayo nécessitait. Donc c'est 5 garçons et 2 filles. Et la police a demandé à la population pour porter balle toute information généralement quelconque qui est capable de permettre nous d'identifier et puis arrêter tout présumé auteur, co-auteur et complice de ça. Et drame voyage illégal ça, qui est la cause. En plus, le monde aujourd'hui a gagné de l'eau dans la ville Cap-Haïtien. La demande des populations, tout pour l'identifier par la police, tout le monde qui a fait voyage clandestin, ça, tout côté que voyage ça a fait, pour la police capable d'intervenir à temps et pour les capables de limiter les dégâts. Merci. N'a pas toujours été dans notre pays avec Nouvelle-Yo, Gaye Badi, Amé, Capo Pérenne, Mago, 8e section communale, Pilate, commune département Nord, pays, cadre enlèvement qui gagne jeudi 18 juillet 2024, là, gagne au moins 6 moun yo même qui enlevé victime, selon information qui confirmée par journal en ligne Le Facteur Haïti, moun sa yo, yo tapa qui était capable. Donc, enlèvement collectif, ça, qui fait un Mago, zone qui est dans la commune Pilate, dans nos pays. En effet, un après-midi, jeudi 18 juillet 2024, là, au moins, il y a 6 monde qui tapent sur le Cap-Haïtien, qui kidnappé par les qui gagnent un gros âme dans la zone assis là, parmi passagers, ça y est. Et ben, avec Kazam kidnappé, il y a Jean Saint-Ville Raphaël, c'est ça, à source locale, ça, il est rapporté avec rédaction agence Presla, Le Facteur Haïti. Donc, selon même source à ça, donc, un journal là, jeune téléphone, inspecteur principal commune Pilate là, lui-même qui tape sauti, et cherché fiche pour examen officiel des taillots, donc, pour élève 9e année fondamentale. Donc, on a appelé récemment directeur on l'école, dans même commune ça, lui-même, tout, tape à sauté, régler quelques activités personnelles, ben, avec Zam, t'es enlevé, voilà. C'est, détail sous, plusieurs moun, neg, Azam, yo même, yo, kidnappé, dans zone Mago.